posée sur une étagère. Et un souvenir de vacances, un anniversaire. Une fille qui sourit, coincée dans un sous-verre, un cadre fantaisie, un bord de mer, et personne ne bouge dans la tribu, les yeux rouges, tous différents, les mêmes photos pourtant. Les grands derrière, les petits devant. Quelques photos de groupe exposées comme des preuves. Des photos de groupe des amis qu'on punaise. On vérifie d'ailleurs l'air de rien chez les autres, qu'on fait partie des leurs, qu'à côté de leur tête y'a la nôtre. Sur la cheminée du salon des grands-parents, le casting tout entier de tous les petits-enfants. Les grands derrière, les petits devant. Familiaux sont les manuels d'histoire. On regarde jamais qu'on réserve au placard. Quand il était jeune, quand t'étais petit, quand elle était enceinte, quand ils étaient en vie, portraits de fin d'année, des gosses trop bien peignés, on dirait vraiment qu'ils ont mangé du ciment. Les grands derrière, les petits devant. La photo censurée, elle s'y trouvait pas belle. Aussitôt développée, direct à la poubelle. Mignonne en paréo, au retour de la plage, elle enlèvera par le haut. Oh, Thomas, le portrait qui fait rire, du permis de conduire, celui qui fait peur. Qu'elle soit en couleur ou bien en noir et blanc, on fait tous, quelle horreur, les mêmes photos tout le temps. Les grands derrière, les petits devant. Qu'est-ce qui nous pousse au fond à refaire à la chaîne tous les mêmes photos qu'on a vues par centaines. Des photos de monuments qui sont jamais très belles, mais c'est nous qui la fait, c'est pas la carte postale. Des photos de voyage à l'autre bout de la terre, les mêmes paysages, des mêmes belvédères. Nous sur un chameau, nous au ski en hiver, nous sur un bateau et les épices du souk du quai. Re-re-nous à Pâques, il y a 2 ans déjà, re-re-re-nous à la Toussaint à côté des trottins. C'est vrai qu'on voit pas bien que la photo elle est mauvaise, mais par la salle de bain, je te jure. On devinait les falaises, ces photos souvenirs, qu'on se cache en rien, pour pas qu'on puisse nous dire qu'on n'a pas profité, rangées dans un tiroir, celles qu'on veut plus voir, et classées dans des livres, des photos d'archives, j'ai encore jamais vu, et sachez personne, c'est le pied tourné au-dessus du téléphone, la photo de son patron, dans aucun salon, mais des vues de bord de l'air, ah, ça putain, ça on sait le faire, ça. Une nouvelle chanson aussi qui est de circonstance ce soir, parce qu'elle s'appelle Paris by Night. J'étais super naze, grosse semaine de boulot. Je me sentais d'occasion, besoin de repos. Faut être raisonnable pour faire des vieux os. Intraitable, savoir se coucher tôt. J'ai dit les gars sans moi, je rentre chez la route. Non, n'insistez pas, bon d'accord 5 minutes. J'aurais dû me douter que c'était qu'un début. Les meilleures soirées ne sont jamais prévues. Paris by night, au hasard de la nuit, qui nous prend par la main et nous laisse au matin. Paris by night, ce qui me réjouit, c'est qu'on regrettera demain que ce dont on se souvient.
sortant du bistrot, j'ai dit cette fois j'y vais. On est sorti du resto, 4 heures après. Quelqu'un a dit, on se quitte pas comme ça. Je sais plus trop qui, je crois que c'était moi. On a pris un taxi parce qu'au volant pas d'alcool. Et faut dire qu'aussi on trouvait plus la bagnole. On a été dans un bar et dans un autre un peu mieux, en s'arrêtant pour boire un coup entre les deux. Paris by night, au hasard de la nuit, qui nous prend par la main et nous laisse au matin. Paris by night, de ce qui me réjouit, c'est qu'on regrettera demain que ce dont on se souvient. Et ça c'est quand même mieux. Il était tellement tard qu'il était presque tôt. Bientôt voir les gens partir au polo. On a été dans un club, puis dans une discothèque, dans une boîte à la mode, là, ce fut un échec. Un videur nous a refoulé, je lui ai demandé doucement s'il savait qui j'étais. Il m'a dit bah ouais, justement. Pour laver l'affront, on a pris un falafel, remis d'aplomb, on est reparti de plus belle. En sortant qu'on nous y reprendrait plus. Cette promesse, heureusement, on l'a jamais tenue. Paris by night, au hasard de la nuit, qui nous prend par la main et nous laisse au matin. Paris by night, de ce qui me réjouit, c'est qu'on regrettera demain que ce dont on se souvient. Et ça, ma soeur, je préfère. Paris by night. Des avis, il prend ce qu'on lui donne et répète ce qu'on lui dit. Il aime quand c'est simple, facile et carré. Les vérités sur cintre, le prêt à penser. C'est la cible idéale des démagogues de tous bords. Suffit qu'on le brosse dans le sens du poil pour qu'il soit d'accord. C'est l'histoire de l'agneau qu'invite le loup à manger. C'est l'histoire du cochon apprenti charcutier. C'est l'histoire du canard qui trouve sympa d'être laqué. C'est l'histoire du pigeon, mais enfin bref. Vous avez compris l'idée. Il ne croit pas aux rumeurs ni aux théories du complot. Mais faut avouer que c'est troublant quand on regarde bien les photos. Cette forme sombre et floue a grandi 400 fois. Ce ne peut être que la preuve de ce que nous cache la CIA. Il voudrait tant être à la mode qu'il s'épuise à courir derrière des crétins branchés et snobs à qui il craint de déplaire. Ces précieux ridicules qui ne voient que ceux qui brillent. Pour une place au soleil, il rendrait la Bastille. De l'agneau qui invite le loup à manger. Du cochon apprenti charcutier. Du canard qui trouve sympa d'être claqué. C'est l'histoire du pigeon qui, enfin bref, vous avez compris l'idée. S'attaque attention à la surconsommation, irresponsable à ses yeux et dangereusement futile. Il a d'ailleurs téléchargé sur son iPhone l'application qui s'appelle e-assistant contre les achats inutiles. S'il était né aux USA, il aurait voté Obama. Ici, la politique, ah ben non, ça l'intéresse pas.
Il combat avec virulence l'impérialisme américain qui attaque sans complaisance. Un coca light à la main. C'est l'histoire de l'agneau qui invite le loup à manger. C'est l'histoire du cochon apprenti charcutier. C'est l'histoire du canard qui trouve sympa d'être laqué. C'est l'histoire du pigeon qui, enfin bref, vous avez compris l'idée. C'est l'histoire de l'agneau qu'invite le loup à manger. Avec nous au son, monsieur Philippe Villewicke. Au son retour, Patrick Ramirez de Chabris. Sébastien Bernier. En lumière, Vincent de Sécurel. Poussin. À direction de production et au prompteur, monsieur Pascal Comporte-Hotel. À la production, mademoiselle Laurence Brunel. Luc et Jules et Hélène qui sont là ce soir, nos producteurs. Au backline, Antonio Stéphanie.